Welcome to ERC Church Nairobi. Join us every Sunday from 10 a.m. for an amazing teaching and great time in worship. You are invited. Come experience great teachings, God's healing power, deliverance, and total restoration with the men of God, Pastor Frankie Mwamba. Do not miss our power-packed worship services. ERC Church, it's more than church, it's a family. ERC Church, it's more than church, it's a family. Do not miss our power-packed worship services. Oh, yes, so
Lord bless you. Que Dieu bénisse toutes les femmes et toutes les mamans au milieu de nous. May the Lord bless all the women in our midst. Vous êtes une créature très merveilleuse devant l'Éternel. La personne choisie par Dieu. You are the person chosen by God. Est-ce que tu peux encore acclamer pour toi-même? Clap for yourself. Les hommes, ne soyez pas jaloux, vous aurez aussi votre jour. Je vais vous demander si on peut se tenir debout. Tu vas dire bonjour à ton voisin de gauche et de droite. Want us to rise to our feet to salimiane. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu durant la semaine. Ça fait 2 semaines. Dis à ton voisin bonjour. Tu es bien habillé, tu es beau, tu es belle. Amen. Je vais te demander que tu te concentres encore une fois en prière. I want to ask you to concentrate yourself again in prayer. Je veux que tu pries pour la parole de Dieu. I want you to pray for the word of God. Dis à Dieu, parle-moi à travers le message. Tell the Lord to speak to you through this message. Si tu as permis que je sois dans ta présence aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau que tu veux ajouter à ma vie. If you have permitted me to be in your presence this morning, it means that there is something that you want to add. Que ta parole me transforme et change mon style de vie. May your word transform and change my lifestyle. Élève ta voix et commence à prier. Lift your voice and begin to pray. Éternel, tu es des armées, nous te rendons gloire et multiplication de grâce parce que tu es notre Dieu. Nous te disons merci pour ce moment, Seigneur, que tu nous accordes une bonté de ta part. Merci parce que tu permets que pendant ce moment, que nous puissions manger ta parole qui est vie. Yahweh, nous voulons que ta parole porte vie. Nous voulons que tu nous bénisses, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis éternel toute l'assemblée avec ta parole. Nous te recommandons la prédicatrice entre tes mains. Seigneur, nous voulons que ton onction coule sur elle. Nous voulons, Seigneur, que tu l'assistes, ô Dieu. Elle est devant toi comme une vase vide. Et que toi, tu puisses la remplir. Mets les mots qu'il faut dans sa bouche éternelle. Manifeste-toi, chauffage. Manifeste le sang de vos puissants de Jésus, nous avons saisi avec gratitude et reconnaissance. Amen. Let's say amen. 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 Ce n'est pas mauvais d'acclamer encore une fois pour notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu. I'm going to excuse myself before all I give all the glory to God. Pour cette opportunité qui m'a donné de me tenir au devant de vous. For this opportunity that I'm before you this morning. Je dis aussi merci à notre papa. I also say thank you to our father. Dieu te bénisse. The Lord bless you. Nous allons lire Philippiens chapitre 3. We're going to read 12 jusqu'à 14. Verses 12 to 14. Et aujourd'hui nous allons parler sur les signes de la maturité spirituelle. But today we're going to speak about the... Quand la personne a reçu Jésus-Christ dans son cœur ou dans sa vie, il commence à croître à travers la parole de Dieu. When you receive Jesus Christ as your savior, then you begin to grow à travers la parole de Dieu. You begin to grow with the word of God. La parole de Dieu qui est comparée à l'eau. The word of God which is compared to water. De l'eau au lait. From water to milk. Du lait au pain. From milk to bread. Et du pain à la nourriture solide pour les gens matures. And from bread to solid food for mature people. La croissance spirituelle est un processus continuel. Spiritual growth is a continuous process. Tu ne peux pas dire que parce que tu étais né de nouveau, ça fait 5 ans, 10 ans dans le Seigneur, tu es déjà mûr dans la parole de Dieu. You cannot say because you gave your life 5 or 10 years ago that you're already matured in the Lord. Je veux te dire que la croissance spirituelle va jusqu'à ce que Christ revienne. I'm going to tell you that growth in spiritual maturity will go up to where Jesus will come back. C'est comme ce que nous venons de lire dans ce que Paul a dit dans Philippiens 3, 12 à 14 qui dit. It is what you are from reading in Philippians when Paul was saying. Non, certes, je ne suis pas encore venu au bout. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une seule chose, oubliant qui est derrière moi et étendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Amen. She was just reading what Mama Stacy had read. Même l'apôtre Paul n'était pas aussi arrivé.
Apostle Paul had not yet arrived. Il continuait toujours à se diriger vers le prix. He continued to direct himself to the prize. Le deuxième point, nous allons voir quels sont les signes de la maturité spirituelle. The second point we're going to look at what are the signs of spiritual maturity. Premièrement, c'est servir Dieu avec dévouement. First is serving God with dedication. Amen, Église. Amen, Church. Je veux répéter encore, c'est servir Dieu avec dévouement. It is serving the Lord with dedication. Chaque fois que nous servons Dieu ou que nous faisons quelque chose de bien dans son royaume avec engagement, Dieu ne reste pas indifférent. Each time we serve the Lord or we do something good in the presence of God or in the kingdom of God, God can never stay silent. Cela veut dire que cela va être écrit dans le livre de souvenirs. That means that it's going to be written in the book of remembrance. Dieu ne va jamais oublier l'acte posé. God will never forget a good act. Et ça ne peut jamais rester impayé cet acte. And it can never go unpaid. Il va toujours rembourser. He will always give you back. 1 Corinthiens, 1 Corinthians, chapitre 15, le verset 58. Verset 15. Quand nous lisons la Bible nous dit 1 Corinthiens, chapitre 15, 1 Corinthians, chapter 15, le verset 58. Verset 58. La Bible insiste pour nous dire the Bible insists and says, de ne pas nous lasser à servir le Seigneur, that we should not get tired of serving the Lord, car tout travail accompli dans son royaume sera toujours récompensé. As everything done in his kingdom will always be recompensed. Je viens te rassurer et te dire ce matin que I am coming to reassure you and to tell you this morning that qu'un homme tout rien ne peut secouer un homme qui sert le Seigneur. Nothing can shake a man who serves the Lord. C'est comme si vous ne m'avez pas bien saisi. It's as if you've not really understood what I said. Rien ne secoue un homme qui sert Dieu. Nothing can shake a man who serves the Lord. Parce que servir Dieu, because serving the Lord, c'est une porte à vie sans saison sèche. It is a door that opens our lives. Selon ce que moi j'avais compris quand je lisais la Bible, what I understood when I was reading the Bible, c'était comme si tu seras, quand tu es en train de servir Dieu, tu seras comme un arbre qui est planté près de la rivière. When you're serving the Lord, you will be like a tree which is planted near the river. Que ce soit la saison sèche ou la saison de pluie, toi tu ne vas jamais sécher. Whether it's the dry season or the rainy season, you will never be dry. Parce que tu es le pilier dans la maison de Dieu. Because you're a pillar in the house of the Lord. Exode 23. Exodus 23. Nous allons lire de 25 jusqu'à 26. From 25 to 27. La Bible dit, the Bible says, vous servirez l'Éternel votre Dieu. You will serve the Lord your God. Et il bénira votre pain. And he will bless your bread. Vos eaux. Your water. Éloignera la maladie du milieu de vous. Sickness will be far from you. Il n'aura pas dans ton pays ni femme qui avorte. There will never be a woman who aborts. Ni femme stérile. Or a sterile woman or infertile woman. Il remplira le nombre de tes jours. He will add the number of your days. Et sa terreur devant toi. And the land before you. Il mettra en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. The people that you will go to, he will scatter all your enemies. Et il fera tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. And he will turn your back in front of all your enemies. Amen. Amen. Et la clé ici dans ce passage, the key in this verse, c'est vous servirez le Seigneur votre Dieu. You will serve the Lord your God. J'aimerais que vous puissiez même souligner ça dans votre Bible. I would love if you can even underline it in your Bible. C'est un ordre venant de l'Éternel. It is an order coming from the Lord. Il a dit vous servirez le Seigneur votre Dieu. He says that you will serve the Lord your God. Parce que servir Dieu c'est un bon travail qui paye mieux et le plus. Because serving the Lord is a good job that pays the best. Le rendement de Dieu peut combler toute ta vie. The love of God may fill all your life. Nous voyons, nous sommes employés dans des entreprises ou chez quelqu'un d'autre où nous travaillons. Sometimes you see we are employed in companies or other people that you work for. Tu vas trouver que le salaire qu'un homme peut te donner ne peut pas couvrir toutes tes
besoins. You will find that the salary that you're being given there will not cover all your needs. Ça peut combler certains besoins, oui, mais ça ne peut pas te combler toute ta vie. It can fulfill some of your needs, but it will not fulfill the whole of your life. Ce qui est différent du salaire de Dieu. But what is different to the salary from God? Si tu es obéissant, tu sers ton Dieu avec dévouement. When you're obedient and you serve the Lord with dedication, il va te payer. He will pay you. Il va te payer. He will pay you. Et son salaire est sans chagrin. And his salary is without is enough. Pardon? It's without sorrow, yes. His blessings is without sorrow. C'est comme la Bible nous dit dans Proverbe 10:22. It's like the Bible is saying in Proverbs chapter 10, verses 22. Que c'est celle la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et le fait suivre d'aucun chagrin. That the blessings of the Lord maketh rich and added no sorrow. Amen. Amen. Nous allons passer à un autre point. Nous allons voir comment pouvons-nous servir Dieu avec engagement. We are going to go to our next point, how to serve the Lord with dedication. Comment servir l'Éternel Dieu avec engagement? How to serve the Lord with dedication. Le point A, c'est pour ceux qui écrivent. For those who are taking notes, c'est en étant une bénédiction pour votre église. It is a blessing for your church. Quelqu'un peut se demander comment est-ce que je peux être une bénédiction pour mon église. Maybe you can be asking yourself, how can I be a blessing for my church? Qu'est-ce que je peux faire pour être une bénédiction pour mon église? What can I do to be a blessing for my church? Je vais te dire que premièrement, pour être une bénédiction pour ton église, il faut trouver ce que tu peux faire pour votre église et non pas ce que l'église peut faire pour toi. Firstly, you need to find what you can do for the church and not what the church will do for you. Cherche et trouve comment tu peux être une église, une bénédiction pour ton église et non pour que l'église soit une bénédiction pour toi. Search and see what you can do to, so that you can be a blessing to the church and not what the church can do to be a blessing to you. La plupart des temps, nous avons tendance à chercher des moyens par lesquels nous pouvons être bénis. Most times we are always looking for how we can be a blessing to others. La vraie joie dans le Seigneur ne se trouve pas dans ce que on reçoit des autres. The greatest joy in the Lord is not what we receive from others. It is what we do for others when making them a priority. Pourquoi? Why? C'est parce que le christianisme, c'est une vie de sacrifice pour les autres. Because Christianity is a life of sacrifice to others. Est-ce que quelqu'un peut dire amen dans la salle? Say amen. Le christianisme, c'est une vie de sacrifice pour les autres. Christianity is a life of sacrifice for others. Nous allons lire dans le livre de Actes chapitre 20. Acts chapter 20. Le verset 35. Verses 35. Qui nous dit ceci. That says, il est plus béni de donner que de recevoir. It is more blessed to give than to receive. Je me rappelle une fois, papa ici devant nous avait dit un jour. I remember one time papa said in front here. Que si vous remarquez bien, la personne qui demande sa main est en dessous. If you look well, the person who's always asking or borrowing, the hand is always below. Et la personne, la main de la personne qui donne est au-dessus. And the hand of the person that is giving is always on top. Ce qui veut dire que la personne qui reçoit est plus bas que la personne qui donne. That means that the person who is receiving is below than the person who's giving. C'est comme ce que nous avons lu, ce que la Bible a dit. La personne qui est bénie, c'est la personne qui donne et non pas la personne qui reçoit. That is the same thing that the Bible is saying, that the blessed one is the one who's giving than the one who's receiving. Si vous voulez être béni, trouvez comment vous pouvez être une bénédiction pour votre église. If you want to be blessed, find a way of how you can be a blessing to your church. Comment est-ce que tu peux être une bénédiction pour ton église? How you can be a blessing for your church. Amen. Amen. Comment est-ce que tu peux être une bénédiction pour ton église? How can you be a blessing for your church or to your church? Des grandes choses s'étaient passées dans l'église primitive. Great things happened in the ancient church. Parce qu'ils avaient accepté une vie de sacrifice. Because they had accepted a life of sacrifice. Ils ont accepté de mettre leur vie ensemble. They accepted to put their lives together. Leurs talents et leurs dons. Their talents and their gifts. Leurs biens. All their good. Pour promouvoir l'église du Seigneur. So that they may promote the church of the Lord. Avez-vous un don? Do you have a gift? Un talent? A talent? Une capacité? A capacity?
que vous pouvez utiliser pour promouvoir ou être la bénédiction dans la maison de Dieu. That you can use to promote the work of the Lord. Alors bénissez l'église avec ce que vous avez. So bless the church with what you have. Parce que Dieu ne peut pas vous demander ce que vous n'avez pas. Because God can never ask of you what you do not have. Amen. Amen. Lorsque vous bénissez votre église en faisant ce qui peut ajouter un plus ou quelque chose dans le royaume de Dieu. When you bless your church and add and give something that would make a plus in the church, Dieu va s'assurer que vous ayez une prise en charge. God will reassure himself that really you deserve something, you deserve some great, some good. Je dis bien, Dieu va se rassurer que tu sois prise en charge. God will reassure himself that he takes care of you. L'apôtre Paul déclare. Apostle Paul is declaring. Dans Colossiens 1. In Colossians chapter 1. 24-25. Maintenant. Now. Je me réjouis de mes souffrances. I rejoice in my suffering. Pour votre bien. For your good. Et dans ma chair. And in my, my flesh. Je remplirai ce qui manque dans les afflictions. I will fill what is missing in afflictions. Du Christ pour le bien de son corps. For Christ, for the good of his body. Ou son église. Or his church. Ainsi Paul dit que j'ai été serviteur dans l'église par Dieu. Paul is saying that he was a servant in the church of the Lord. Cela veut dire servir Dieu, c'est servir son peuple en son nom. That means that serving God is also serving his people. La maturité spirituelle est vue à travers le service et non pas à être servi. Spiritual maturity is seen in service and not being served. Peut-être vous serez déjà où vous êtes là, vous allez dire que vous servez Dieu, ça fait longtemps. Maybe you're there and you say that I've been serving God for a long time. Tu es déjà serviteur, ça fait des années. You're already a servant many years. Mais comment le faites-vous? But how are you doing it? Avec des bonnes ou mauvaises intentions? Are you doing it with good or evil intentions? Pour votre propre intérêt? For your own interests? Pour votre, ou vous cherchez la faveur des hommes, or are you looking for favor from men? Ou bien vous le faites parce que c'est un travail que le pasteur vous a donné, or are you doing it because it is a job that the pastor has given you, or an assignment that the pastor has given you? Je vais te dire que ça doit être fait avec un amour sacrificiel. I'm telling you this morning that it has to be done with a sacrificial love, un amour agapé, and the agape love. Parce que l'amour sacrificiel ou l'amour agapé, c'est un amour sans intérêt. Because agape love or the sacrificial love is love without interest. Tu ne peux pas aimer ou servir Dieu pour dire quand je pars c'est seulement pour qu'il fasse pour moi ceci ou cela. You cannot serve the Lord and say I'm just serving him so that he can do this and that for me. Parce que Dieu n'a jamais été pressé ou en retard. Because God has never been in a hurry or even late. Et maintenant, si ta bénédiction c'est à moyen terme, qu'est-ce que tu vas faire? So if your blessing has come a little bit late, what will you do? Est-ce que tu vas arrêter de les servir parce que c'est pas encore arrivé? Are you going to stop serving the Lord because it has not yet come? C'est pourquoi il faut le faire avec un amour sacrificiel. That is why you need to do it with a sacrificial. Il a fait, il n'a pas encore fait, je vais le servir. He has done, he has not yet done, I will still. Qu'il pleuve, qu'il neige, je vais servir mon Dieu. When it snows, when it rains, I will serve the Lord. Que je sois malade ou en bonne santé, je vais servir Dieu. When I sick or in good health, I will serve the Lord. Que j'ai des enfants ou pas, je vais servir mon Dieu. Having children or not, I will serve the Lord. Qu'on se moque de moi parce que je suis célibataire, mais je vais servir Dieu. When they mock me because I'm still single, I will still serve the Lord. Quelle que soit ma situation, je vais servir Dieu. Whatever my situation, I will serve the Lord. Et c'est dans ce moment-là que nous verrons votre maturité spirituelle. And it is at that moment that we will see your spiritual maturity. Pour tout ce que vous faites pour for l'église. All that you're doing for the church. Et non pas pour ce que l'église fait pour vous. And not what the church can do for you. Deuxièmement, c'est en soutenant la vision de Dieu. Secondly, it is supporting the vision of God. Qu'il a donné à votre pasteur ou votre église. That he has given to your pastor or to your church. Je vais répéter, c'est en soutenant la vision de Dieu. It is supporting the vision of God. Qu'il a donné à votre pasteur ou votre église. That he has given to your pastor or to your church. Dans l'église, notre travail est de soutenir la vision que Dieu a donnée à notre pasteur. In the church, our work is to support the vision that the Lord has given to our pastor. Parfois, les gens ont tendance à promouvoir leurs propres idées. At times, people have the tendency of giving their own ideas. En oubliant que
Ils sont élevés ou leur vie est élevée lorsque nous sommes en train d'élever le royaume de Dieu. Forgetting that their lives will be lifted when we are lifting the kingdom of God. Ou en train de soutenir la vision que Dieu a donnée au pasteur. Or supporting the vision that the Lord has given to the pastor. Amen. Amen. Praise the Lord, church. Amen. Et comment est-ce que nous pouvons sauvegarder la vision? How can we keep or keep safe the vision? C'est lorsque nous allons soutenir le bras de notre pasteur pour lui faciliter le travail. It is when we are going to hold the arms of our pastor and support the work of the Lord. Nous allons lire Ecclésiaste chapitre 4. Ecclesiastes chapter 4. Le verset 11 jusqu'à 12. Verses 11 to 12. La Bible nous enseigne le travail d'équipe et il dit. The Bible is teaching us on the work of who we are doing. Si deux s'allongent ensemble, if two walk together, ils ne peuvent se tenir au chaud. Si deux s'allongent ensemble, if two walk together, ils peuvent se tenir au chaud. They cannot. If two sleep together, they will maintain warmth. If two sleep together, then they will maintain the warmth. Mais comment une seule personne peut-elle se tenir au chaud? But how can one person keep the warmth? Et si quelqu'un domine une personne, and if one dominates another person, deux peuvent le résister. Two can be able to resist. Un cordon de trois brins ne peut pas facilement se briser. A cord of three cannot be easily broken. Votre pasteur ne peut pas faire le ministère par lui-même. Your pastor cannot do ministry by his own or by himself. Dieu vous a amené à l'église. God has brought you to the church. Parce qu'il vous a donné une mission spéciale. Because he has given you a special mission. Parce qu'il a mis quelque chose de spécial en vous. Because he has put something special in you. Pour l'intérêt de son royaume. For the interest of his kingdom. Dans le livre de Exode 17, 12 à 13. Exodus 17, 13. 12 to 13. Yes. Exode 17, 12 à 13. Exodus 17, 12 to 13. Nous voyons Aaron et Hur. We see Aaron and Hur qui se précipitaient pour aider Moïse à lever les bras. Who are helping themselves to help Moses so that the battle may be won. Et Israël avait gagné la bataille. And Israel won the battle. Parce que ses deux frères, donc Aaron et Hur, because the two brothers Aaron and Hur ont aidé à tenir les bras de Moïse. Because they helped holding the hands of Moses. Votre pasteur ne peut pas tout faire seul. When he lifts up his hand to do the work of the ministry, toute la congrégation peut gagner la bataille. All the congregation may win the battle. Ils vont apporter beaucoup d'âmes au Seigneur. They will win a lot of souls to the Lord. Et la Bible dit, and the Bible says, qu'ils ont levé le bras de Moïse jusqu'à ce que le soleil se lève. That they lifted up the arms of Moses until the sun rose. Ils se tenaient derrière leur chef, Moïse. They were standing behind their boss Moses. Et ils ont remporté la victoire. And they brought victory. Moïse n'aurait pas pu faire tout ce travail par lui-même. Moses wouldn't be able to do all that work by himself. Et le peuple aussi ne pouvait rien faire sans Moïse. And the people also would have done nothing without Moses. Donc c'est un travail, le travail de ministère, c'est un travail de complément. The work of ministry, it is a work which you have to do together, complement work. Une personne ne peut pas la même personne chanter en même temps. Il va jouer aux instruments en même temps, il va prêcher en même temps, il va prier pour les gens en même temps. Il doit nettoyer l'église, c'est impossible. One person cannot just be in the choir, clean the sanctuary, do everything by himself. C'est pourquoi Aaron et Hur étaient là pour soutenir Moïse. That is why Aaron and Hur were there to support Moses. C'est ce que la Bible nous demande aussi ce matin. That is what the Bible is also asking for us to do. Aider à soulever, à soutenir les bras de notre pasteur. To help hold the arms of our pastor. Pour lui faciliter la tâche. So that we may help him. Pour lui donner aussi du temps de s'occuper de son troupeau. So, to also give him time that may also take care of his own personal business. C'est comme nous allons lire dans Ephésiens 4, 11 à 12. Ephésiens chapitre 4, verset 12. Qui dit ceci. That says this. Vous pouvez commencer à écrire faute du temps, vous pourrez lire même à la maison. We can even write and maybe because of time you'll read at home.
Et il a personnellement donné certains d'êtres des apôtres. He personally gave to some of the apostles. Quelques prophètes. Some prophets. Certains évangélistes. Some evangelists. Certains pasteurs. Some pastors. Et les enseignants. And some teachers. Pour la formation des saints dans le travail. For the formation of the work. Du ministère et pour construire le corps du Christ. For the formation of the work of ministry and to construct the church. C'est pour soutenir ce qu'on venait de dire tout à l'heure. That is to support what you just said a while ago. Que si nous sommes là pour soutenir l'homme de Dieu, that if you are there to support the man of God, nous aurons, il aura du temps à s'occuper de nous spirituellement. That he will also have time to take care of us spiritually. Comme la prière, like prayer. Il aura le temps de jeûner pour nous. He will have the time to fast pour le séminaire, for the seminars, pour nourrir les troupeaux, for nourish the children or people. Je vais vous donner un petit témoignage sur ma vie. I'm going to give you a little testimony of my life. Je me rappelle quand j'étais encore jeune fille chez nous. I remember when I was still a young lady at my home. J'étais en train de, je priais dans une église évangélique Néhémie. I used to pray in a church, the evangelical Nehemiah. Dans cette église, je n'étais pas comme tout croyant. Je ne venais pas dimanche et rentrais à la maison. In that church, I was not like any other believer. I used to come to church on Sundays. J'étais à l'intercession. I was in the intercession. Je m'occupais aussi du protocole. I was also in the ushering team. Et très souvent, je faisais le protocole de notre maman, donc la maman pasteur. And most time, I was doing the protocol of our mama pastor. Moi, dans ma tête, ce que moi j'avais chaque fois que je priais. In my head, what I had any time I was praying. Je voulais très bien que Dieu me bénisse avec les frais académiques. I always wanted God to bless me with academic fees. Parce que j'aimais bien étudier, mais les moyens étaient un peu limités. Because I had studied well, but I was not in a position to take myself for further studies. Vous-même, vous savez dès que le père est parti, le reste. C'est à suivre, Dieu même connaît. You know, if the father is dead in the family, then the rest will be at least very hard for the family. Et tellement que c'était, il fallait me battre pour les frais académiques. J'avais envie d'étudier, je ne voulais pas arrêter. Et tout cela était en train de me perturber un peu. So all that, because I needed fees to go to school, I was battling with my life. So all that was giving me a lot of thoughts in my head. Mais je me disais en moi, je peux laisser les études ou pas, je ne laisserai pas de servir Dieu. But I used to tell myself that even if I do not go for further education, I will not be the only one. No. I will not stop serving. Oh, I will not stop serving God. Amen. Je continuais à aller à l'église quand il y a des programmes. I used to continue going to church when there are different programs. Et nous avions un système, si notre pasteur doit aller prêcher quelque part, il va avec son protocole. Et si maman est là, moi aussi je dois aller avec maman. And we had the system that when our pastor was going to preach somewhere else, if mama was going with him, then I would also go. Je me rappelle même une fois j'étais au programme, j'étais sérieusement malade. I remember there was a time I was in the program and I was very sick. Je ne pouvais même pas marcher. I could not even walk. Ma grande soeur me dit, mais reste seulement. Dieu connaît que tu es malade. My elder sister was telling me, just sit back at home. God knows that you're sick. Je lui ai dit non, laisse-moi faire un effort, je vais arriver. I said no, let me just make an effort, I will go. Comme j'ai souffert pendant longtemps, cette maladie ne me laisse pas. Mieux vaut que j'aille mourir à l'église. Because I have suffered a long time, this sickness does not want to go. It is better I go and die in the church. J'avais fait un effort, je suis partie, j'ai servi. So I made an effort, I went and I served. Et comme Dieu est bon, and j'avais tout allé mieux. Personne ne savait même pas que j'étais malade. And because God is good, I worked well and nobody even noticed that I was sick. Je servais toujours mon Dieu. I served the Lord. Que j'aille au cours ou pas, je servais toujours Whether Dieu. Whether I went to school or not, I still served the Lord. Mais comme les voies de Dieu sont illimitées, but because the ways of God are not limited, moi qui attendais seulement les school fees ou les Minerval, me who was waiting for school fees, Dieu m'a donné le mariage. God gave me my marriage. Oh, moi je ne demandais même pas un homme à cette époque-là. When I was not even asking for a man in that particular time. Mais comme Dieu est toujours souverain, il m'a fait donner l'homme de ma vie. He gave me the man of my life. J'ai terminé les études. I finished my education.
Je suis bien dans mon mariage. And now I was well in my marriage. Combien Dieu, je suis heureuse dans mon mariage. Dieu m'a donné un homme de bénédiction. Dieu m'a donné des enfants. Ce que j'étais en train de vous dire, qu'un homme peut te donner son salaire, mais cela ne pourra pas te soutenir toute ta vie. That is what I was telling you, that a man can give you salary, but it may not satisfy you the whole of your life. Mais le salaire de Dieu est continuel. But the salary of God is continuous. Ça va te combler toute ta vie. It will satisfy your whole life. Dans la vie, on se souviendra de vous. In life, they will remember you. Soit pour des problèmes que vous avez créés. For problems that you created. Soit pour des problèmes, des solutions que vous avez apportées. Or for the solutions that you brought. Même dans les entreprises aussi. Even in companies. Ou une organisation. Or organizations. Les gens sont récompensés pour des problèmes qu'ils ont résolus et non pas pour les problèmes qu'ils ont apportés. People are compensated for the problems that they from the solutions that they brought and not the problems that they brought. Voulez-vous que les gens vous remarquent pour les problèmes que vous amenez ou les solutions que vous amenez? Do you want people to remember you for the problems that you created or for the solutions that you brought? Amen, Église. Amen, Church. Les résolveurs de problèmes sont ceux qui finissent par être élevés par Dieu. The resolvers of problems or the ones who bring solutions are the ones who are elevated by God. Pourquoi? Why? Parce qu'ils enlèvent le stress ou le fardeau qui est sur le leader ou le pasteur. Because they remove the stress or the burdens that is on the servants of God. En apportant des solutions. When bringing solutions. Non pas seulement les plaintes. And not always just problems. Papa, celui-ci a fait. Oh, papa, oui, papa, fait. Je suis venu te voir parce que l'autre avait dit. Papa, me déjà connaître pour vous l'aimer. Papa, tu sais quand j'ai passé, j'avais vu ceci. Non, déjà, papa, when I was passing, I saw this. Ça, c'est, Dieu ne peut pas vous élever pour des choses comme ça. God cannot elevate you for things like this. Mais quand vous voyez il y a des choses ou des problèmes dans l'église. But when you see that there are things or problems in the church. Vous êtes là pour donner la solution. You are there to give solutions. Il y a certains conflits, je ne sais pas, entre les jeunes, tu es là, tu donnes la solution. There are certain conflicts between people, you're there to give a solution. Il y a certains gens qui se disputent à l'église, tu passes par là, tu trouves solution. There are other people in dispute in the church, you're there to give a solution. Et là, Dieu va vous élever parce que vous êtes en train d'alléger la tâche à votre pasteur. There, the Lord will bless you because you're removing the burden of your pastor. Dans 2 Rois chapitre 6, in 2 Kings chapter 6, 1 à 4, 1 to 4, le fils du prophète ont constaté que the sons of the prophets saw that l'endroit où ils faisaient le ministère était devenu petit. Where they were doing ministry became too small. Ils ont dit au prophète Élisée. And they said to prophet Elijah. L'endroit où nous habitons. The place that we live. Sous votre direction est devenu petit. With your direction has become too small. Ça c'est ça le problème qu'ils ont posé. That is now the question that they asked. Et de leur propre initiative. And with their proper initiative. Ils ont proposé à l'homme de Dieu. They proposed to the man of God. Leur fardeau d'aller couper le bois pour rendre l'endroit grand. That they go and cut the wood to make a bigger place. Donc ils ont proposé au prophète, à Élisée, qu'ils ont la capacité d'aller couper les bois et venir agrandir l'endroit. That they have the capacity to go and cut wood and come and make the place where they were bigger. Ils n'ont pas rejeté tout sous le corps d'Élisée. They do not leave all on the body of their prophet. Ils n'ont pas dit comme Élisée est là, c'est un grand prophète. They did not say that because Elijah is there, he's a great prophet. Nous allons attendre qu'il nous appelle. As we're going to wait for him to call us. Quand il va nous dire, when he's going to tell us, allez chercher les bois. Well, go and look for firewood. Venez maintenant. Et je trouve qu'il faut agrandir, faites ceci, faites cela. That there is a need to grow the church or to grow the place to add the building. Non, ils ont préféré faire ça eux-mêmes. They prefer to do it by themselves. Ils ont proposé la solution à l'homme de Dieu. They propose with a solution the man of God. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer une fois pour notre Seigneur Jésus? For the Lord is mighty. Et être une solution. And to be a solution dans l'église, in the church, ou dans le ministère, or in the ministry, c'est exercer son don.
It is exercising your gift. Sa grâce. Your grace. Ce que Dieu a mis en toi. What God has put in you. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi comme don? What has God put in you as a gift? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi comme grâce? What has God put in you as grace? Tu dois connaître ce que tu as comme richesse ou don que Dieu a placé en toi. You need to know what you have as riches or what God has put in you. Pour servir et bénir le peuple de Dieu avec. To serve and bless the people of God with. Si tu ne connais pas les dons ou les talents que Dieu a placés en toi. If you do not know the talent or the gifts that God has put in you. Prie et demande à Jésus. Pray and ask from God. Parce que Dieu te connaît mieux plus que toi-même. Because God knows you better than you know yourself. Et si tu lui demandes de te faire voir quelle est ta mission à l'église. And if you ask him to show you your mission in the church. Il va te montrer, tu vas servir avec Dieu. He will show you and you will serve the Lord. Serre Dieu avec tes dons, serre Dieu avec tes talents pour l'élévation de l'église. Serve God with your gifts and your talents for the elevation of the church. Et en ce moment-là, Dieu va ajouter des choses aussi dans ta vie pour la gloire de son nom. And at that moment, God will also bless your life. Un chrétien mature ne craint pas de problèmes. A mature Christian is not afraid of problems. Il se plaint pas à tout moment. He's not always murmuring at all times or complaining. Il pleurniche pas à tout moment. He's not crying at all times. Un chrétien qui est déjà mature. A Christian who's already matured. Il doit regarder comment est-ce que je veux bénir l'œuvre de Dieu. He's going to look and ask himself, how am I going to bless the work of God? On n'a pas dit qu'il est donné à tout le monde de chanter. We're not saying that it is given to everyone to sing. On n'a pas donné à tout le monde de prêcher. It is not given to everyone to preach. On n'a pas dit que tout le monde doit faire aussi le protocole. It is not said that everyone should do ushering. C'est comme notre corps tout entier. It is just like our body. Il y a la tête, il y a les bras, il y a les jambes. There is the head, there is the arms, there is the legs. Et chaque partie de son corps a un rôle à jouer. And all every part of the body has a role with place. C'est comme ça que Dieu veut aussi que nous puissions être. And that is how God also wants us to be. En conclusion, pour terminer, in conclusion, un chrétien mature, a mature Christian, sert Dieu avec engagement, serves God with engagement, en étant une bénédiction pour son église, so that he may be a blessing to his church, et en faisant ce qui suit, and to do what comes after. Amen, l'église. Amen. C'est en trouvant ce que vous pouvez faire pour votre église. It is when you find what you can do for your church. Et non pas ce que l'église peut faire pour vous. And not what the church can do for you. Soutenir la vision que Dieu a donnée à votre pasteur. Supporting the vision that God has given to your pastor. Et à votre église. And to your church. Soutenir aussi les bras pour rendre le travail facile. Supporting the hands and to make the work easier. Donc soutenir les bras de votre pasteur pour lui faciliter aussi la tâche. Supporting the hands of your pastor and to make the burden a little less heavier. Soyez une solution à la vision ou à l'œuvre de Dieu. Be a solution to the work of the Lord. Est-ce que quelqu'un est béni aujourd'hui? Is someone blessed today? Est-ce que quelqu'un est béni à travers le message? Someone